Après 2 jours de garde à vue, le maire de Senlis a été mis en examen hier soir. Jean-Christophe Canter doit répondre de prise illégale d'intérêt et de délit de favoritisme. Jean-Christophe Canter mis en examen pour prise illégale d'intérêt et favoritisme dans le cadre de l'organisation de plusieurs festivités. Le communiqué du parquet de Senlis est tombé peu après 21h hier soir. Ce matin, la nouvelle est sur toutes les lèvres. À Senlis, de nombreux habitants soutiennent ardemment leur maire. Avant de parler de M. Canter, je voudrais déjà parler de vous, les journalistes, qui en première page accusaient quelqu'un qui n'est même pas jugé avec beaucoup d'a priori et tout ça. Donc je trouve que vous n'êtes pas tellement correct. De toute façon, on a un maire, on lui fait confiance. Donc il n'y a pas de preuves. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup, donc on verra. La justice fait son travail. Même son de cloche à la mairie, où l'équipe municipale fait bloc et se dit plus que jamais solidaire. Il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas soudés. À ce jour, aucune information ne nous permet de douter de la probité du maire et de son adjoint au commerce. Pour le maire mis en examen, ces accusations sont fausses et calomnieuses. Jean-Christophe Canter se dit victime de coups fourrés et de coups bas permanents de la part de certains membres de sa famille politique. En mars 2008, Jean-Christophe Canter avait ravi la mairie de Senlis à Christian Patria, investi par l'UMP. Bon, je ne me suis pas senti plus visé qu'un autre. Si il était dans ses intentions de me viser, je pense que c'est vraiment injurieux par rapport à la justice, c'est tout. Moi, je crois que dans cette affaire, moi, je me refuse à faire des commentaires, parce que je me répète, je crois dans la neutralité, je crois dans la justice de mon pays. Le maire de Senlis se dit prêt à contre-attaquer. Une grande conférence de presse est prévue demain, en début d'après-midi.